papiers, l'argent, là, ce qu'on avait besoin, que sur nous. À savoir que les Templiers n'avaient pas beaucoup d'argent, parce qu'on était des pauvres, on était des pauvres moines. On était des moines soldats. Donc là, on se battait pour le Christ, pour la route à Sainte. Donc, les dépôts, donc on n'avait pas grand-chose à nous, c'était surtout au clergé. Et donc, après, par la suite, il faut savoir avec l'histoire qu'on est devenu des riches banquiers. Après, on prêtait à tout le monde grâce à la Terre Sainte. Et après, Philippe Lévesque, vous avez fait quelques-uns? Il a essayé, bon, il a fait quelques ennuis, il a appelé notre dernier grand maître, Jacques de Molay, en 1314. Ils l'ont arrêté au mois d'octobre. Le 13 octobre, le vendredi 13 octobre 1307. C'est pour ça que le 13 octobre, le vendredi 13, c'est maudit parce que par rapport au Templier. Et donc, il était emprisonné jusqu'en 14 et il l'a volé en 14, sur le jeu à Paris. Voilà. Mais à savoir que l'argent, il n'a jamais rien trouvé. Chez les Templiers, c'était plus ou moins au courant qui allait se passer. Et ils en sont partis avec les chariots de Paris à Saint-Malo. Je crois que vous avez été trahis aussi par le peuple. Oui, par le peuple et par les hospitaliers aussi. Hospitaliers, oui. Voilà. Et puis après, il faut savoir que c'était pour un an, on voulait, on torturait. Oui. Comme ils ont fait avec les cathares, avec les parfaits. Quoi. Ouais. Après, les gnotistes. Comment ? Les gnotistes. Oui, les gnotistes, mais enfin, il y avait beaucoup de choses qui faisaient, qui différenciaient. Parce qu'il y avait les cathares, il y avait les juifs, les chrétiens, les gnotistes, il y avait les orthodoxes, il y avait beaucoup. Voilà, ça déplaisait au Vatican, ni plus ni moins. Toutes ces machins-là, ils essayaient de se purifier pour en faire qu'un. Ça ne plaisait pas, là. Maintenant, on commençait à éliminer. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que même à l'heure actuelle, quand il y a un problème de religion, c'est la merde, c'est la bagarre, toujours, hein. Voilà, exactement. Même entre chrétiens, voilà. Je veux dire, l'Irlande, on est un exemple exactement. Particulier, hein. Voilà. Ça s'est calmé, mais c'est entre protestants et cathos. Voilà, les protestants et cathos, vous avez Ravaillac, vous avez le massacre de la Saint-Barthélemy en France et tout, voilà, cathos et machin. Le bandeau, oui. Alors là, celui-là, moi, sur la tête, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. J'ai un bandeau. Donc là, celui-là, il est noir et blanc. Chez nous, les Templiers, il a trois couleurs. Il y a le blanc et rouge, le blanc et noir, et le tout noir. Alors le blanc et rouge, c'est un Templier qui n'a jamais été en Terre Sainte. Le blanc et noir, comme j'ai moi, j'y étais au moins une fois. Et le témoin, c'est celui qui est retourné plusieurs années. Après, vous avez la cale pour aller protéger les cheveux. La cale, c'est la petite cale. Voilà, vous la voyez là. Voilà. Et donc, ça, voilà, c'est pour éviter que quand on met la cale, de retirer les cheveux. Protéger les cheveux. Vous ne laissez pas Si, mais aujourd'hui, non, parce que vu la chaleur, il fait chaud. Je suis habillé légèrement. Autrement, j'ai la cape, j'ai la camaille, j'ai le casque, le bouclier, la lance. Voilà, ça les gants, voilà. Ça fait pas mal. Ouais. C'est pour ça que là, là j'ai un médaillon, touchez-le, si vous le voyez un peu. Ah, je le vois un tout petit peu, voilà. Si je m'approche un peu, ah, il est joli. Ouais. C'est le médaillon des Templiers. D'accord. C'est un cheval avec deux Templiers. Voilà. Ça, c'est deux Templiers sur un cheval. Alors donc, il y a plusieurs hypothèses. C'est que les Templiers, comme c'était des pauvres moines, ils n'avaient pas d'argent, ils avaient un cheval pour deux. Et donc, ces chevaliers, la deuxième hypothèse, c'est que quand il y avait des fantassins, des hommes à pied, donc le premier, le cavalier, apportait le fantassin jusqu'au bout, le déposait, et comme ça, il pouvait se battre sans être fatigué. D'accord. Voilà, il y a plusieurs hypothèses. Ou après, comme je dis, c'est des pauvres moines, donc ils avaient un cheval pour deux. Mais à savoir, c'est que quand un Templier se déplaçait, vous avez toujours un Templier, deux sergents, deux Templiers en noir avec la croix rouge, et vous avez toute l'ordonnance qui se met derrière. Donc pour un Templier, il y avait au moins 10 personnes pour les... L'équipage complet. Hein. Voilà, exactement. Alors c'est pour ça qu'on disait les pauvres moines, oui, mais après, par la suite, voilà. Ben, vous avez fait une fonction de banquier aussi. De banquier, on a servi de pas mal de banquiers, toujours. Et surtout à Philippe le Bel. Lui, Philippe le Bel devait beaucoup d'argent aux Templiers. Il a essayé par plusieurs fois à rentrer au Temple pour éviter justement de rembourser sa dette. Et les Templiers, ils ont dit non, vous nous devez assez d'argent, donc on ne peut pas vous prendre
chez nous. Et quand il y a eu la première révolution française, que les Français et les Parisiens ont commencé à crier, et Philippe le Bel est venu se réfugier au Temple, à Paris. D'accord. Et donc après, donc, ils l'ont laissé repartir. Et après, donc, Philippe le Bel, voilà, exactement. Et c'est là qu'ils ont essayé de... Vous auriez dû lui faire sa fête avant, à ce cher Philippe. Ouais, mais voilà. Par contre, vous, parmi les Templiers, il me semblait qu'il y avait quand même des grands seigneurs qui cédaient toutes leurs terres. Oui. Et leur fortune. Oui, c'est ça, oui. Voilà. C'est-à-dire que pour avoir le droit de porter l'habit blanc et d'être templier, il fallait qu'ils donnent tout ce que leur richesse, leur terrain, enfin pas tout, mais un peu de terrain. Donc c'est pour ça que les templiers, ils avaient beaucoup de châteaux, beaucoup de fermes fortifiées, beaucoup de terrain, parce que les nobles, quand ils partaient à Jérusalem, leur donnaient, leur cédaient leurs biens avec de l'argent. Et donc eux, les templiers se servaient justement de ça pour faire travailler des gens à leur service pour pouvoir retourner les champs, pour pouvoir récolter et envoyer ça en Terre Sainte, le blé et tout ce qu'ils ont aussi. Si vous regardez, à l'époque des Templiers, il n'y a jamais eu de misère, il n'y a jamais eu de famine, il n'y a jamais eu de maladie. Tout le monde se portait bien. Il y avait une certaine prospérité. Voilà, c'est qu'avec les Templiers, voilà, ils étaient là, ils devaient nourrir le peuple qui travaillait pour eux. Et après, donc, il y a eu la peste, les épidémies et tout ce qui s'est fait. Et le début des fameux Romaudis. Les fameux rois maudits, voilà. Et voilà. Voilà. Merci beaucoup. Bah, de rien, merci, je vous... Monsieur Templier. Merci, vous.